tous et bienvenue sur ma chaîne Luna Opal pour quelque chose d'assez spécial avec Corvus Corax. Ben, je pense que vous l'aurez vu au générique, il se passe aujourd'hui quelque chose de très spécial. Mais tout d'abord, avant de vous l'annoncer, enfin vous l'avez vu dans le générique, mais bref... J'ai fait une petite commande de quelque chose qui me tenait très à cœur, donc on va ouvrir ça ensemble. Alors, j'ai pris mes ciseaux qui sont verts cette fois. Oh, verts comme Mameshiba. Oh, ils sont assortis. Alors, la lettre de Mildred. Ça va mettre la puce à l'oreille à certains. Alors, là, nous avons la lettre de Mildred. Poupée plus cœur plus couteau égale quoi? Ça me plaît. Bon, déjà, il y a deux cartes qui... Oh! Voilà, Mildred Paines. Voilà pourquoi je l'aime tant d'amour. Elle est, je suis possédée par Mildred, c'est Mildred Paines, je ne sais pas pourquoi elle m'appelle, son oracle est magique. Des petits bâtons d'encens, je crois que c'est un acte sympa. Agarvati. Bon, il y a un autre papier. Et voilà. La fétiche des encens avait misé bon, c'est le acte sympa Agarvati que j'ai eu en échantillon. Je l'adore, je m'en lasse pas. Ils sont super bons. Bon, j'y arrive pas. Alors, ça fait partie de ma commande. J'ai commandé de l'encens, bah, comme d'habitude. Pourtant, j'en ai plein. Je vous ferai une photo d'un jour de ma collection d'encens. Ça dépasse la raison. Mais bon, c'est comme ça, en même temps. Voilà, c'est celui-ci. C'est Color des Chamans. Ensuite, j'ai ici la lettre de Mildred Paines en anglais. Ah, mon autre encens de Dragon Blood. Parce que tout le monde en parle, celui-ci. Et ben, moi, je ne le connaissais pas. Ouh, ça y est, je l'ai. Ta-ta-da-da-da-da-da-da-da. C'est les extensions avec la lettre de Mildred Paines. J'ose pas l'ouvrir. J'ai pas envie de l'abîmer. Waouh. Déjà, je tombe sur ça. C'est le cercueil. Alors, voici les 15 cartes supplémentaires du Mildred Paines Secret Pocket Oracle. C'est mon oracle préféré, il a une puissance, on a une connexion tous les deux, mais de dingue. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? À mon avis, c'est un plan, oh mon dieu. Alors, c'est une lettre écrite le 31 octobre 1933, le 3 étant mon chiffre, où, eh ben, j'en dirai pas plus pour garder le mystère. En tout cas... Pour vous mettre l'eau à la bouche, voilà ce qu'avait dessiné Mildred Paines. Un petit cercueil, toute une petite route. Enfin, voilà. Je suis partie dans tous les sens, donc je vais refaire une vidéo juste après celle-ci pour que ce soit plus précis. Parce que j'étais tellement dans la surexcitation que j'en ai perdu la tête. C'est Mildred Paines, c'est... voilà. Donc on va revenir plus au sujet Mildred Paines Secret Pocket Oracle. Donc le voici. Sous la demande d'une de mes abonnées, je vais faire une vidéo spéciale où je vous présenterai l'oracle dans son entièreté avec les 15 cartes supplémentaires et comment moi je m'en sers, comment moi je le perçois, comment moi je le ressens. Pourquoi ça me percute autant? Qu'est-ce que je fais comme tirage? Ça se fera avec ces 15 cartes supplémentaires que du coup je ne vous présente pas ici. Je vais m'arrêter là et je vais reprendre la vidéo pour vous expliquer ce qui était en intro. À tout de suite.